Bonjour à tous, il est beaucoup trop tôt ce matin pour moi. Donc, si je vous parle actuellement et de si bonne heure, c'est parce qu'avec mon pote, on va partir sur un runner. En clair, un jeu très basique où on doit courir et sauter au-dessus d'obstacles et qui sera en 2D. Je pense que tout le monde sur cette terre a déjà joué à un jeu de ce style-là, donc j'ai pas besoin d'expliquer les règles. Moi, mon travail à ce niveau-là, ça va être la réalisation des graphismes. Et j'ai pas mal de taf, beaucoup de travail. C'est qu'il y a la possibilité de changer de forme ou d'état pendant le jeu. C'est-à-dire que si vous prenez... Imaginons, il y a des orbes, en fait, sur tout le parcours. Et si vous en attrapez une, eh ben, vous allez vous transformer. Vous allez devenir plus grand, plus petit, ou sinon, vous allez être plus rapide ou plus lent. Ce qui va, bien évidemment, impacter de façon négative ou positive l'appareil. Donc ça amène un petit peu de stratégie, quoi. C'est pratique. Étant donné qu'il y a plusieurs états, ça signifie qu'il va falloir que je... prépare les animations pour chaque état. Ça va faire beaucoup de travail. Il faut que je fasse le perso grand, le perso petit, le perso qui va vite, le perso qui va lentement. C'est des petites animations, donc ça va. Mais ça va quand même prendre du taf. Surtout qu'on a décidé de rajouter les trois personnages emblématiques du serveur Discord qui sont Cup Cup, Discman et Hector. Et oui, les maisons vont être représentées dans ce jeu. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, si vous voulez, je ferai une vidéo sur les maisons du serveur afin de vous en parler plus. Mais pas aujourd'hui parce que j'ai la flemme. Après, moi, je vais devoir réaliser les décors. On a plutôt admis que le style du jeu va être plutôt orienté urbain. Donc, on va plutôt se balader dans une ville un peu détruite et avec un style japonais. Moi, j'ai envie de faire ça. J'ai bien envie de tester. De toute façon, vous allez voir au travers des prochains jours. Je vais faire des essais, je vais faire des tests de dessin. On va voir quel visuel aura le jeu. En tout cas, étant donné que les persos de base sont très cartoon, bah, il va falloir que je reste un petit peu dans le cartoon, sinon ça va dénoter et ça va être moche. Donc voilà, vous savez moi ce que je vais faire. Mon pote, lui, de son côté, il m'attend un petit peu au niveau des visuels. Il peut commencer tout seul, mais on veut déjà un petit peu se caler sur à quoi va ressembler la map. L'objectif, ça va être de déterminer comment vont être les obstacles, déterminer est-ce qu'il y a des pentes, est-ce qu'on descend, ainsi de suite, comment on va placer le décor, comment on va faire pour le générer aléatoirement en faisant en sorte qu'il reste cohérent et jouable. Donc il y a quand même des questions à se poser. Bah, j'ai l'impression qu'on a dit la grosse majorité des choses importantes actuellement. Ici, il est 7h du matin et il est temps pour moi de me réveiller mentalement et physiquement pour pouvoir commencer cette journée correctement. Donc, je vous en dis plus demain sur la réalisation des visuels et on va voir comment ça évolue au fil du temps. Sur ce, je vous invite consciencieusement à vous abonner. Pourquoi j'ai utilisé ce terme, je ne sais pas, j'ai pas diqué. Et sur ce, bah, bonne journée, ok? On va s'arrêter là.